Formule 1, châtain. 30 g de TG Copyright Color Creative 7 sur 3, plus 10 g de TG Copyright Color Gloss 0 sur 02, mélangé à l'activateur TG Copyright Color 8,5 volume 2,55%. Formule 2, amande pâle. 15 g de TG Copyright Color Lift 100 sur 2,8, plus 10 g de TG Copyright Color Creative 7 sur 0, mélangé à l'activateur TG Copyright Color 20 volume 6%. Formule 3, blond comme les blés. 20 g de TG Copyright Color Lift 100 sur 2,8, plus l'activateur TG Copyright Color 20 volume 6%. L'utilisation d'une technique créative pour masquer les reflets indésirables permet d'obtenir un effet multiton naturel de châtain doux, d'amande pâle et d'un blond comme les blés. Cet effet donne de la douceur et de la force au style général de la coupe. Mettre des gants protecteurs. Effectuez une section profil du centre du front jusqu'au centre de la nuque. Attachez les cheveux à l'aide d'une pince TG Pro. Commencez par faire un demi-cercle irrégulier en partant de la couronne et en travaillant vers la section profil pour finir à 5 cm du centre du front. Entortillez les cheveux et attachez cette section à l'aide d'une pince TG Pro. Répétez ce procédé sur le côté opposé en partant de la séparation médiane à 5 cm du centre du front pour finir au niveau de la couronne. Cette technique crée deux sections irrégulières au sommet de la tête. Effectuez une séparation radiale vers l'oreille en créant une section au niveau du front. Entortillez les cheveux et attachez cette section à l'aide d'une pince TG Pro. Répétez ce procédé sur le côté opposé. Cette technique crée deux sections irrégulières sur le devant et une section sur l'arrière. Prendre une mèche horizontale et dégager le reste des cheveux en les attachant à l'aide d'une pince TG Pro. Placez les cheveux dans une TG Copyright Color Mesh Strip afin de protéger la peau, puis appliquez la formule 1 châtain de la zone de repousse vers les longueurs et les pointes. Répétez cette opération jusqu'à ce que la section soit terminée. Isolez la section à l'aide de TG Copyright Color Mesh Strips. Prendre une mèche horizontale au niveau de la section supérieure. Placez les cheveux dans une TG Copyright Color Mesh Strip, puis appliquez la formule 1 châtain de la zone de repousse vers les mi-longueurs. Appliquez la formule 2 amande pâle en utilisant une technique de masquage des mi-longueurs jusqu'aux pointes. Répétez cette opération jusqu'à ce que la section soit terminée. Isolez la section à l'aide de TG Copyright Color Mesh Strips. Répétez ce procédé sur le côté opposé. Prendre une mèche horizontale et la placer dans une TG Copyright Color Mesh Strip. Appliquez la formule 1 châtain de la zone de repousse aux mi-longueurs. Appliquez la formule 3 blond comme les blés en utilisant une technique de masquage des mi-longueurs jusqu'aux pointes. Répétez cette opération jusqu'à ce que la section soit terminée en isolant chaque mèche à l'aide de TG Copyright Color Mesh Strips.
Répétez ce procédé sur le côté opposé en protégeant la dernière section avec une TG Copia Color Mesh Strip. Laissez poser pendant 35 minutes, puis émulsionnez, rincez et retirez le produit à l'aide du shampoing et soin TG Color Goddess de Bedhead.